berceuse. Hands on the hood. Get set. Allez, je vais être le premier. C'est Alain Davo qui sera la gauche au podium, qui a été le premier à faire tomber. Timer's ready. Contestants ready. 3, 2, 1, go! Allez, c'est lancé, regardez ce geste. On va chercher loin derrière l'épaule. On ramène loin en avant. Et ça demande une très belle musculature, un geste souple. cm3 pour 66 chevaux seulement. C'est un moteur Rotax, un moteur de carte qui équipe cette machine. Les rondelles doivent être intégrales. Les rondelles qui ont été mordues comme ça, on n'en veut pas. Il faut qu'il y ait du bois sur tout le pourtour pour que la coupe soit valable. On va voir tout de suite l'épreuve, le duel entre Alexandre Meurice sur la droite du podium et Sébastien Masnada sur le côté gauche. Attention messieurs. Are you ready? Timer's ready? Contestants ready? 60 seconds to warm up your suit. Le principe, c'est d'être le premier à faire tomber la troisième rondelle. Are you ready? Hands on the wood. Get set. C'est lancé. Allez, pendant que vous tournez le dos, je vous parle un petit mot arbitrage avec l'autorisation d'utiliser la vidéo sur les compétitions Timbersport. Les épreuves sont filmées et à tout moment l'arbitre peut demander à revérifier les images pour voir s'il n'y a pas eu faux départ par exemple ou s'il n'y a pas une erreur de chronométrage. Et puis donc, ben voilà, pendant ce temps-là, on est en train de progresser et vous allez voir quand ils vont tourner le geste que travaillent ces garçons à l'entraînement. Il y a un geste en 2-2, on va essayer de taper deux coups à droite, deux coups à gauche, en bas, en haut, en haut, en bas, en bas, en haut, en haut, en bas. On fait tourner les coups et de cette manière-là, on enlève de très gros copeaux. Encore faut-il être précis, hein, de façon à bien taper dans la continuité de ce qu'on a fait. Eh bien, ce sont de véritables sportifs, hein, ça se travaille à l'entraînement. Ah ouais, celui-là, il ne veut pas y aller, hein, allez, encore. Raphaël Sauze, l'Isérois, est sur la gauche du podium, comme vous le regardez. C'est Alain David qui lui donne la réplique, le menuisier de Châtel, en Haute-Savoie, la station de Châtel, les Portes du Soleil. Allez, encore un petit effort et ça va se casser en deux. Ah, les gars, vous avez mal digéré ou quoi? Ils n'ont pas fait la sieste là, encore à ce moment. Ça va pas tarder. Allez, encore un effort. Il faut dire, on leur a donné, on les a servis. Hein. Le bois, c'est du tremble et il est extrêmement dur. C'est bon, c'est séparé en deux pour Alain. Son premier travail dans cette discipline, c'est de faire la première poquette. Poquette en coche de passage, donc qui est très importante. Celle-là, elle va donner l'indice de confiance du concurrent dans sa planche lorsqu'il va taper là-haut au sommet. Fumaret, déjà en action là-haut au sommet pour aller abattre la partie supérieure du bois. Attention parce que de temps en temps, il y a des copeaux qui sautent dans le public, donc surveillez, hein, soyez attentifs, baissez la tête s'il y en a un qui passe, mais bougez pas, par contre on a le droit à 7% de perte du public, donc restez bien en place. Et de l'autre côté, Sébastien est en train de le rattraper, regardez, c'est pas tout à fait le même geste, moins puissant pour Sébastien, mais beaucoup plus énergique. N'empêche que pour l'instant, c'est du côté de Pierre Pubaret que l'on est le plus en avance, une épreuve qui demande beaucoup d'agilité là-haut au sommet sur la planche. On dirait pas, il n'y a que 2 mètres de vide sous les pieds, mais ça donne une impression de vertige colossal. Allez, c'est bientôt bon que je vais l'emporter, faites vos jeux. 1,
au moment où je dis ça, c'est Pierre Pubaret qui remporte le duel. Et il n'aura pas manqué grand-chose à Sébastien Masnada, qui a pourtant été le meilleur dimanche dernier du côté de Nantua lors du championnat de France. C'est lui qui a gagné cette discipline du springboard. Thank you.
côté, Alex Meurice, un jeune bourguignon. Je ne sais pas si on doit dire bourguignon ou champenois au bout du compte. Né en Bourgogne, habitant actuellement la région de Troyes. C'est un costaud, il a été meilleur jeune en 2013. Il a aujourd'hui 27 ans et c'est un excellent compétiteur qui vient de frapper à la porte du pôle France. Il espère bien être sélectionné. Et qui va venir compléter ce trio avec l'épreuve de hache à son actif. C'est monsieur Alan David, le Haut-Savoyard de Châtel. Voilà l'équipe. Il est le leader du club de Roibon des Bois dans la région de Saint-Marcellin, Raphaël Sanz. Et le capitaine de cette équipe, à ses côtés, le champion de France en titre, Timber Sport en individuel. Il a un double champion de France puisqu'il a gagné en 2014. Il a confirmé dimanche dernier à Nantua. Il s'appelle Pierre Pibaret. C'est trop cool que j'ai eu au doute. Et le troisième larron de cette équipe de France, le voilà, il est à domicile devant son public puisqu'il est lorrain, il habite Bénaménil à côté de Lunéville. Une ovation pour monsieur Cyril Marchal. Ça va? Sans conséquence. C'est très glissant derrière hein, avec la pluie qui est tombée. Il a failli ne pas arriver sur le podium. Voilà, ça y est. Voilà donc l'équipe de France qui va devoir essayer de repousser les assauts de l'équipe Espoir. Messieurs, mettez-vous en place. La première des deux équipes qui fait tomber la partie supérieure du bois remporte ce duel. On compte sur vous pour donner de la voix. Vous avez quartier libre pour crier votre encouragement à l'une ou l'autre des équipes. N'hésitez pas à le faire. C'est comme dans un stade un petit peu, donc lâchez-vous. Attention au départ. Are you ready? Timer's ready? Contestants ready? 15 seconds to warm up your soul. Légère avance, c'est Alex Meurice qui a été le plus rapide. Le deuxième relayeur s'élance et maintenant il va falloir que Alan David soit suffisamment performant pour résister à Pierre Pibaret, le champion de France en titre, qui est en train d'envoyer d'énormes coups de hache côté droit de la scène. Avec le maillot orange, Alan fait mieux que se défendre. Allez Alan, il faut très vite essayer d'attaquer l'autre face parce que Pierre Pibaret a déjà tourné. Allez le public, je vous entends pas les encourager. Allez, allez. Ça bouge, voilà, ça tourne du côté de Alan David qui s'attaque maintenant à l'autre face. Mais l'équipe de France a pris une avance conséquente. C'est terminé pour Pierre Pibaret qui vient de libérer le troisième relayeur de l'équipe. Regardez, c'est Raphaël Sauze qui est en train d'envoyer du lourd dans la ville de bois. Une rondelle qui devrait tomber d'ici peu de temps pour envoyer le lorrain Cyril Marchal. Allez, chercher et terminer le travail. Allez, ça avance. Regardez cette technique de coupe que l'on utilise pour essayer d'envoyer du lourd dans la bille de bois. Deux coups en haut, deux coups en bas pour que les copeaux soient très gros. Et puis à mi-parcours, on fait ce que l'on appelle les drives. Des grands coups puissants qui traversent l'axe de la bille. On passe de l'autre côté et on va essayer de faire tomber très vite la bille de bois. Terminé pour Alan qui est tombé sur une bille très dure qui l'a fortement handicapé pendant ce temps-là. Eh bien, le jeune Alexandre Meurice est en train de faire de son mieux pour rattraper le retard. Et côté droit du podium, ça devrait tomber d'ici peu de temps pour le lorrain Cyril Marchal qui devrait donner la victoire à l'équipe de France. Are you ready? Timer's ready? Contestants ready? 3, 2, 1, go! Allez, c'est lancé! La première poquette, c'est une poquette de passage, c'est une poquette que l'on soigne, mais sans plus. On ne va rester que quelques secondes sur la planche, donc il faut que ça tienne, mais on n'est pas obligé de trop la soigner. C'est le lorrain qui est en tête pour l'instant. La deuxième encoche, par contre, elle est beaucoup plus importante. C'est une encoche qui va donner l'indice de confiance du concurrent dans sa poquette. Il va falloir que ça tienne très bien pour qu'il puisse taper là-haut avec la même impression que s'il avait les pieds au sol. Et regardez, le lorrain et le corrézien au coude à coude. Et c'est Cyril Marchal qui est le premier en action. Et voilà,
Il est allé trop vite, Pierre, et du coup, il est obligé de refaire sa planche. Et du coup, pendant ce temps-là, Cyril progresse. Allez, vous pouvez l'encourager, la Lorraine. Allez. Et ça tape très fort là-haut. On progresse. Le principe est d'essayer d'oublier le vide sous les pieds. On a des concurrents qui tapent très très fort avec les pieds au sol sur l'épreuve numéro 1, la hache verticale. Mais lorsqu'ils sont debout sur cette planche là-haut au sommet, eh bien, c'est plus la même. Il faut oublier le vide sous les pieds. Ça s'appelle le vertige. Et donc, on est obligé de rester très 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 attentif à ce que l'on fait. Allez, ça bouge côté lorrain. Allez, on l'encourage. Parce que de l'autre côté, regardez, le champion de France, Pierre Pibaret, maintenant il est en action et il est en train de refaire son retard. Il revient du diable au vert, comme on dit à la télé. Et maintenant, il s'attaque à l'autre face. Et malgré une première planche récalcitrante, il est sur le point de l'emporter. Alors la Lorraine, vous êtes où? Et ouais, malheureusement, vos encouragements n'ont pas été assez forts. Et du coup, Cyril, là-haut, a dû concéder la victoire à son adversaire corrézien. Mais regardez, c'est pas si mal que ça. Une épreuve qui est limitée à 3 minutes dans le temps. 3 minutes maximum. Et là, ça va, il va terminer dans le temps imparti. Un dernier petit coup de hache. Et terminé pour... C'est 2015. Voilà, une épreuve très spectaculaire. Pour l'instant, il nous reste 3 manches. Donc c'est la première. À la suite de ces 3 manches, on déterminera l'équipe de France et l'équipe de France partira représenter son pays, la France avec nous. We'll be right back.